Bonjour, je m'appelle Childéric Richard, je suis artisan électricien sur le secteur de Grenoble en Isère. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un produit Lacmé que j'ai reçu dans la journée. C'est un burineur pneumatique, marteau burineur 190 mm avec 7 joules. Donc on a une notice d'utilisation. On a des burins plats, des burins pointus, avec une tête hexagonale qui va bien. On a le ressort de tension et on a l'appareil en lui-même. Voilà, donc là j'ai installé le marteau burineur. En fait, j'ai rajouté le raccord rapide dessus. J'ai installé le ressort de tension pour tenir le burin. Et c'est assez rapide et assez facile à mettre. On a une bonne préhension là. On le tient bien avec une bonne poignée grippe. C'est bien agréable. Et puis après, il a l'air pas trop mal équilibré. On va voir à la découpe. Là, j'ai monté un burin découpe-tôle. On va voir ce que ça donne. Et c'est parti. Ben, ma foi, ça envoie du lourd, hein. On voit du lourd, on va refaire, on va finir. Je dirais mission réussie pour le burineur Lacmé 190 mm avec une bonne frappe, hein, 7 joules, ça tape pas mal. Et au niveau du mandrin, ça bouge pas du tout au niveau du mandrin. Ben, je peux vous dire que le tuyau avec raccord rapide et 8 mètres de longueur, c'est de la super qualité. On a un tuyau qui est très résistant, avec un raccord rapide qui se manipule bien. Et puis de l'autre côté, le Lacmé en lui-même, le burineur, c'est aussi du costaud. On a le forêt hexagonal, ça permet vraiment d'avoir la tête qui ne bouge pas, qui reste bien dans l'axe, dans la découpe, d'être orienté. Le ressort, il fait exactement son office qu'on attend de lui. Et le burineur, raccord rapide, super facile à mettre, super facile à enlever. Une poignée caoutchouc, très bonne qualité qui permet d'avoir une très bonne préhension. Et après, voilà, c'est un appareil qui est quand même super puissant. 7 joules de frappe, je suis bluffé, quoi. Pour couper de la tôle, c'est vraiment extra. Voilà, merci beaucoup. Et encore, j'espère que vous saurez vous en servir comme moi.